Comment était le déroulement du conseil scientifique? Comment vous jugez la participation et la contribution des industriels? Alors aujourd'hui, vraiment, on a été vraiment bien chouchoutés. Donc les industriels étaient très nombreux au CS. Et vraiment, ils ont donné une contribution formidable, exceptionnelle, qu'on a attendue depuis longtemps. C'est vraiment formidable, ça s'est très bien passé. Débat très enrichissant, beaucoup de valeur ajoutée. Vraiment, c'est comme la cerise qui arrive sur le gâteau. Et donc, je pense qu'on va vraiment, capitaliser énormément sur les différentes interventions, sur les différentes remarques, pour affiner et mieux diriger donc la réforme. Voilà. Comment vous estimez l'avancement du projet de réforme du plan d'études? Alors, nous avons piétiné un petit peu au départ, par manque d'expérience. Et donc, on a capitalisé sur nos échecs durant la première année. Et donc, nous avons rectifié le tir par la suite. Et nous avons réussi à faire des pas de géant en très peu de temps à travers des choix, des choix qui ont permis de mieux avancer, d'accélérer les travaux de la commission. Quels sont les nouveaux métiers que SUPCOM va miser pour cette nouvelle réforme? Quelle option? Quelle dominante? Alors les options, a priori, donc nous avons offert la possibilité de créer de nouvelles options, de retoucher certaines options et donc de les reconduire après modification. Et il se trouve que nous avons actuellement sur la table une nouvelle option qui est l'option management. Donc il y a une nouvelle option. Et puis nous avons eu la surprise d'avoir uniquement les options existantes, mais avec une certaine volonté de retouche et de mise à jour. Voilà. Merci. Merci beaucoup.